Aujourd'hui, je vais capturer des images de Huggy Wuggy et Talking Ben dans la vraie vie grâce aux caméras de surveillance de mon appartement. Une première caméra de surveillance juste ici. La voici. Ici, nous avons la seconde caméra. Voilà, caméra numéro 2. Et enfin, voici la caméra numéro 3. Voici un petit peu ce qu'elle filme. Toutes ces caméras sont reliées à mon Minecraft et c'est comme ça qu'on va faire apparaître Huggy Wuggy et Talking Ben. Comme d'habitude, ces caméras sont reliées à mon Minecraft. La caméra numéro 1 située vers les escaliers devant mon appartement. La caméra numéro 2 vers mon couloir. Et enfin, la caméra numéro 3 dans ma salle setup au cas où si Talking Ben s'assoit dans mon canapé. Voilà les 3 caméras du jour. Sans plus tarder, on va aller chercher Huggy Wuggy et Talking Ben. Pour aller les chercher, je suis accompagné de Reason. Allez, vas-y, viens. Let's go. Voilà, ça va bien, Reason? Ça va très bien? Ouais, ça va super, ça va okay, super. Ok, let's go. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'il y a au programme, c'est qu'on va chercher Huggy Wuggy et Talking Ben. Je sais, grâce à l'organisation très secrète des chasseurs de monstres, exactement là où est-ce qu'ils se trouvent. D'ailleurs, si toi aussi tu veux faire partie de l'organisation très secrète des chasseurs de monstres, abonne-toi et active la cloche de notification. Si tu fais tout ça, tu feras partie de l'organisation très secrète des chasseurs de monstres. Et dans cette organisation secrète, on se partage toutes les localisations de monstres. Dès qu'on en voit un, on se le partage et comme ça, tout le monde peut aller le voir. C'est comme ça que je sais où est-ce que sont Huggy Wuggy ainsi que Talking Ben. Alors ça fonctionne dans Minecraft mais aussi dans la vraie vie. Donc là vraiment ce qu'on va faire c'est qu'on va les chercher dans Minecraft. On va un petit peu les énerver, genre on va leur faire péter un plomb. Comme ça ils vont vouloir attaquer la villa. Et lorsqu'ils vont attaquer ma villa, eh bien ils vont aussi attaquer mon appartement mais dans la vraie vie. Et c'est à ce moment là que ça va devenir intéressant. Si je vous ai posté la vidéo de toute manière, c'est que j'ai réussi à les capturer sur mes caméras de surveillance. C'est assez rare, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner ce combo avec Talking Ben et Huggy Wuggy. D'ailleurs les abonnés, j'ai une petite idée pour les prochaines vidéos. On pourrait placer une caméra de surveillance dans mes souterrains. Ça pourrait vraiment être une grosse mise à jour. Mais je le ferai uniquement s'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Vous allez me demander mais en quoi c'est mieux de mettre une caméra dans mon souterrain. Et je vous réponds très simplement, c'est de là qu'arrivent tous les monstres. Du coup potentiellement on pourrait voir des monstres que je n'ai même pas appelés dans Minecraft. On pourrait clairement voir des regroupements de monstres. Du coup voilà, abonne-toi, active la cloche de notification, mets un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et comme ça tout va se passer de la meilleure des manières. Et le prochain épisode je mettrai des caméras dans mes souterrains. En plus de ça tu feras partie des chasseurs de monstres. Du coup tout est carré. Bref, là on se retrouve dans une ville avec plein de casinos, de restaurants, d'endroits pour faire la fête avec Reason. Est-ce qu'on va faire... C'était sûr ça, que ça allait intéresser Reason. T'es chaud? Non, en vrai, non. Faut, je rigole, on va rester concentré. On va rester concentré sur la mission, ok. Pas de casino, pas de boîte de nuit, c'est bon pour toi? Ouais, ça va, ça va. Ça va être dur, mais... On fait attention. Alors par contre il va falloir qu'on trouve le resto. En gros, alors étonnant hein, vous allez voir c'est un truc de fou. Et Talking Ben et Huggy Wuggy, ils ont été aperçus dans un restaurant et ils mangent en tête à tête. Donc vraiment what the fuck. Genre ils sont en date à moitié, c'est bizarre, ça n'a aucun sens. Oh, regarde, attends, regarde. Je crois voir Huggy Wuggy là-bas. Regarde, il est juste ici. Alors est-ce qu'il est en date avec Talking Ben? Je sais pas, il est reparti, il a changé de table. T'as vu, ils sont en date, c'est incroyable. Bon par contre, Reason, il faut qu'on trouve une idée pour aller les embêter. J'ai pas vu Talking Ben encore, mais il faut qu'on trouve une idée pour aller les embêter. Genre, il faut qu'on trouve une idée qui leur fasse péter un plomb. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors Talking Ben, il a peur des chats, on pourrait mettre tout plein d'oslo. Et on pourrait, je sais pas, faire péter une TNT, genre, ou alors tirer une flèche de feu sur leur table à manger. Ça peut être intéressant ça en vrai. Attends, comment on tire une flèche de feu? Attends, il faut qu'on fasse une expérience juste avant. File-moi un arc, des flèches et un briquet. Ok, un arc. D'ailleurs les abonnés, je me suis trop éloigné de la villa. Du coup d'ici je ne peux pas checker les caméras de surveillance chez moi. Donc pour l'instant je ne peux rien faire. Je vais faire un petit test, on va mettre, regardez, une flamme juste ici, voilà. Je vais tirer une flèche. Est-ce que... Ah non, ça l'a pas enflammé du tout. Ça a l'air de marcher en vrai. Non, ça l'a pas enflammé, hein. Ça ne marche pas. Bah après, je pense rien qu'une flèche, en vrai, ça suffit, hein. En vrai, ouais, on peut tirer des flèches tout simplement. Ou alors, il faut un arc flame. En vrai, est-ce que tu saurais me faire ça ou ça va être compliqué? Bon, attends 2 secondes, j'arrive avec un arc flame. Vas-y, tu me fais ça. Ok, Diabolo. Let's go. Ah, c'est bon, tu l'as? Ok, parfait. Alors là, est-ce qu'il fonctionne? Là, ok, là c'est beaucoup mieux. Là, ça me plaît. Ok, par contre, juste ok. J'allais dire tout à l'heure, j'ai pas vu Talking Ben. Mais c'est bon, regardez, il est là, j'ai l'impression. Il y a Talking Ben en face de Huggy Wuggy. Ok, bah, alors. Ils sont là. Hein. Ils sont en date, hein. Bizarre cette histoire. Allez, let's go. Je vais ouvrir la porte. Faut que je l'ouvre vraiment en secret. Faut pas qu'il nous voit. Ok? Ok. Alors, attention, je vais faire attention. Est-ce que j'ouvre la porte, Reason, et je tire cette flèche? Est-ce que je le fais? Au pire, attends, je te dis quand ils ont le regard détourné. Vas-y, go. On fait ça. T'es prêt? Ouais. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Vas-y. Ok.
Oh, oh, oh. C'est bon, ça a marché. Oh, ils m'ont repéré directement. Ils m'ont repéré, mais genre. Ah, il y a un Kiwi qui est de poursuite. Les abonnés. Ah, mais il y a Tolkien Ben aussi. Ah, attends. Ok, il faut qu'on arrive à s'enfuir. Raison, cours. Cours pour ta vie. Il faut qu'on rejoigne la villa absolument le plus vite possible. Ok, let's go. Ah, ils courent très vite. Attends, je vais essayer de leur tirer. Qui c'est qui va me frapper? C'est toi? Non, c'est pas moi, c'est eux. Attends, je suis en train de flèche enflammée. Oh, je me suis complètement fait, il s'est allé sur Cactus. Oh, j'ai presque shooté la tête de Gimuki avec une flèche enflammée. Viens vite, attends, la villa, elle est par là-bas. Ok, je crois qu'on est en train de leur mettre une petite distance. On a pris un peu d'avance. On leur met une petite distance, on leur met une petite avance. Ok, alors là par contre, je t'explique, Romain, quand on arrive à la villa, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on barricade le plus vite possible la villa. Parce que voilà, à partir du moment, en fait, si je les laisse rentrer dans la villa dans Minecraft, ils rentreront aussi dans mon appartement dans la vraie vie. Ok, bon, tu veux des blocs au pire? Ouais, il va falloir que tu... Non, prépare des blocs, toi. Ouais, je prépare des blocs, là. Alors, attends, viens, dépêche-toi. Attends, parce qu'il faut pas que tu traînes trop non plus. Je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Je les vois. Ils sont loin. On a réussi à les tracer. En même temps, ils sont un peu plus gros que nous. Donc voilà, ouais. On a réussi. Et puis, on court vite, hein. Voilà, on court quand même plutôt vite. Donc, let's go. Hop. Let's go, on monte la petite montagne. Et normalement, on va devoir apercevoir la villa. Ok, j'aperçois la villa. Alors par contre, la villa, le problème c'est qu'à chaque fois il y a 40 000 fenêtres. Et à chaque fois que je la barricade, et ben on enlève toutes les barricades 2 jours plus tard. Donc il va falloir rebarricader de nouveau entièrement la villa. C'est ça un petit peu la complexitude. Allez, là, let's go. C'est limite sur impossible là, non? Est-ce que complexitude ça se dit? Est-ce que c'est un mot français même? Je sais même pas si ça se dit en vrai. Dites-moi en commentaire, je mettrai un gros cœur à votre commentaire si vous me dites si ça existe ou non. T'as dit ça va être compliqué là? Mission impossible? Ah ouais, vu toutes les fenêtres. En vrai, il y a trop de fenêtres. Il faut qu'on se dépêche de tout barricader avant qu'ils arrivent. Parce qu'en fait, Diablo, si ils arrivent à rentrer. Ouais, dis-moi. Au pire, ce que je vais faire, genre, je les tiens. Tu sais, je reste dehors. Et genre. Non, j'ai pas envie de finir cette vidéo tout seul en vrai. On va faire ça ensemble. Non, mais je reviens avec eux après, hein, promis. Hein, non, viens. En vrai, vas-y, file des blocs, on va tout barricader. Tiens. Vas-y, hop. Ok, donc là, c'est parti. On est en mission barricade. Let's go, on se barricade entièrement dans la maison. Alors par contre du bois, je m'occupe du haut, moi. Je suis pas convaincu par l'idée de choisir du bois. En vrai attends, tiens, j'ai de la bedrock aussi. Oh attends, bedrock, mais non après on pourra plus sortir en fait. Ah ouais, j'ai de la pierre. Non vas-y, du bois c'est bon, en vrai il y a une belle épaisseur de bois quand même, en vrai ça le fait. Juste bon, il faudra pas... Juste ils ont pas de briquet ou quoi. Il faudra pas traîner trop longtemps quoi. On va fermer ça comme ça, hop, voilà. On barricade absolument toutes les issues possibles et inimaginables. Ok, ici ça devrait le faire. Ah, ils peuvent peut-être péter la fenêtre. Hop, let's go, comme ça. Ok, c'est bon, on barricade plutôt bien. Je vais mettre ça comme ça pour que ça tienne, ok. On va déjà checker les caméras à l'intérieur de mon appartement pour voir si possiblement il se passe quelque chose. La caméra devant mon escalier, pour l'instant il n'y a rien du tout. Mais peut-être qu'ils sont déjà rentrés dans mon appartement. Et à ce moment-là, ils devraient se situer dans mon couloir. Mon couloir, il ne semble rien avoir. Même pas une porte qui s'ouvre. Ok, donc pour l'instant il y a l'air d'avoir rien du tout dans mon appartement. À moins que Tolkien Ben soit déjà dans mon canapé. Je ne regarde pas, je vais regarder avec la caméra. Ok, non ça va, il est pas sur mon canapé. Et d'ailleurs pendant que Raison est en train de barricader l'entièreté de la villa, j'ai tout plein de caméras qui sont dissimulées dans ma villa Minecraft pour repérer le moment où les monstres rentreraient dans ma villa. Regardez par exemple la caméra, on va prendre la caméra 21, voilà. C'est une caméra extérieure à ma villa. Du coup regardez si Huggy Wuggy et Tolkien Ben ils arrivent autour de la villa, je les verrai directement sur cette caméra. Cette caméra qui dispose aussi d'un mode nocturne. Regardez, voilà, je lève le mode nocturne, je l'active. Ah, voilà, c'est bon, c'est activé. Donc voilà, au moindre moment où ils vont arriver autour de la villa, je le saurai. T'es là, Diablo ? Ouais. C'est bon, j'ai barricadé un peu partout, hein, normalement. Ok, c'est bien barricadé, on va vérifier. Ok, faut faire attention, peut-être c'est peut-être là. On va fermer, ok. Pas trop, faut casser le lit. Ok, c'est bon, casse le lit, on s'en fout. C'est bon, il y aura plus de lit. Je sais pas qui c'est qui dormait ici, mais tant pis. Ok, c'est bon. Du coup, là, normalement, on est plutôt barricadé de partout. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on... Ah ouais, t'as vraiment bien fait ça, hein. T'as géré, ouais, hein. J'en ai mis vraiment partout, hein, quand okay, même. Ok, ça, c'est... Il y en a pas, en vrai. Ouais, mais ici, normalement, ça devrait le faire. En vrai, regarde, hop, ouais, on va juste barricader comme ça. Bam, bam, voilà. Tac, 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 voilà. J'ai entendu du bruit, Raison, ça viendrait pas moi aussi, hein. Attends, par contre, on va peut-être fermer ici. Bon, je vais consulter les caméras là, tiens on va dans ma chambre. Je vais consulter les caméras extérieures. Alors ça commence à partir de la numéro 21. Tolkien Ben et Huggy Wuggy, ils sont juste devant la villa. Ok, quoi? Alors par contre du coup ils voient bien que c'est barricadé. Ils n'ont pas de solution pour rentrer.
Attends, je vais changer de caméra. On va passer sur la 22. Ok. Ils font le tour. Littéralement, ils font le tour. Je vais passer sur la 23. Non, 24 directement. Ok, je les vois arriver. Ok, Huggy Wuggy est juste ici. Et Tolkien Ben est en train de suivre. Les deux sont juste là. Oh là là, c'est effrayant. Ok, alors j'étais sur la 25. Regardez, ils sont juste là. Oh, Rezen, où est-ce que t'es? Ils sont clairement là. Ok, il faut que je fasse très attention. Ils sont clairement là. Ils sont en face de la maison du coup là. Ils sont juste, ouais, ils essayent de rentrer dans la maison. Okay. Mais tant qu'ils rentrent pas dans la villa, en vrai, ils peuvent pas arriver dans mon appartement. Les barricades qu'on a mis, c'est du vite fait, hein. Il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à les casser, en vrai. Bah c'est ça le problème en fait, c'est de ça dont j'ai très très peur, les abonnés. Bon, pour l'instant, Romain, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à rentrer. Mais il faut quand même faire attention. Je regarde un petit peu partout. Ouais, check bien les caméras, c'est jamais. Ouais, hein. Là je regardais à l'intérieur. Oh, ils sont de retour vers l'entrée principale. Ok. Oh, j'entends. J'ai entendu un coup de briquet. Non. Attends, ils vont rentrer. Non, ils sont en train d'entrer. Ils sont rentrés dans la villa. Attends, il y a Tolkien Ben et Huggy Wuggy qui suit. Ok, viens. Il faut qu'on barricade la chambre et qu'on soit très discret. Okay. Bon, attends, je vais mettre de la pierre cette fois-ci. Non, retire le bois parce que s'ils ont un briquet, en vrai. Vas-y, enlève-le. Attends, je vais mettre de la pierre. Ok, les abonnés, j'entends du bruit du côté de chez moi, mais dans la vraie vie. C'est très inquiétant, je vais checker la caméra. Je check la caméra juste devant mon appartement. Huggy Wuggy, il est là. Il y a Huggy Wuggy littéralement devant mon appartement. Ok, Huggy Wuggy dans la vraie vie devant mon appartement. Ok, Rezen. Ouais. Il y a Huggy Wuggy dans mon appartement dans la vraie vie. Il a dû rentrer. Wow. Littéralement, il doit être dans mon couloir là déjà. Ok, c'est très flippant. Mais attends, j'entends des bruits là. T'entends des bruits? Ils arrivent? Ouais, je crois là. Attends, je vais checker les caméras de l'étage. Vite, attends, peut-être que j'aille sur des caméras un peu plus loin. 7, 18, je suis dans le grenier. Je peux pas voir grand chose dans le grenier. Alors du coup, peut-être la caméra 16. Ok, non, ils sont pas à notre étage. Bonne chose. Je redescends, mais je crois qu'ils sont montés un moment. Mais à mon avis, ils savent pas où on est là. Ok, c'est bon, je vois Huggy Wuggy. Ils sont à l'étage juste en dessous. Ok, il y a Huggy Wuggy juste en dessous, à l'étage. Je vois pas Tolkien Ben. Je vois Tolkien Ben, il est juste ici. J'entends de nouveau du bruit dans mon appartement. Est-ce que ce serait dans mon couloir? Rien à signaler dans mon couloir. Peut-être toujours devant mon entrée. Il y a Tolkien Ben. Tolkien Ben est devant mon entrée. Après Huggy Wuggy, c'est Tolkien Ben. Ok. Tolkien Ben et Huggy Wuggy vont très bientôt être dans mon appartement, les abonnés. Ok, bon, en vrai, tu nous as bien barricadés ici. Le problème, c'est qu'ils sont en train de mettre le feu total. Il va falloir sans doute se barrer d'ici. Ok, ouais, attends, je pense là, parce que la maison, elle va brûler. Hein. Le problème, c'est que là, on est vraiment dans la mouise totale. Je vais essayer de repérer où ils sont de nouveau. 15. Oh, ils sont en train de mettre le feu partout. Huggy Wuggy et Tolkien Ben, regardez-les. Oh là là, ça m'inquiète beaucoup. Abonné, le feu est en train de se propager de partout. Il est en train de cramer absolument tout. Rezen, il va falloir qu'on trouve une solution très rapide pour se barrer d'ici. Parce que même si la nuit est en train de passer au jour, j'en perds mes mots carrément. Il va falloir qu'on trouve une solution en fait. Attends, viens. Au pire, je pense on peut essayer de faire les Yamakasi mais en fait, faut pas qu'on abandonne la villa. Parce que si on l'abandonne, clairement ils vont rester chez moi en fait. Il faut juste qu'on les fasse partir d'ici. Malgré les dégâts et tout qu'ils sont en train de mettre. Mais là, vraiment, la caméra numéro 15, je suis en train de voir. Oh non, mais la villa, elle est en train de partir en feu total. Au pire, je peux me sacrifier. Ça va pas tarder à arriver sur le toit. Non, t'inquiète, je pense avoir une idée. Attends, j'entends du bruit dans mon couloir. Ok, la porte de ma chambre à droite, elle vient de s'ouvrir. Ok, attends, Rezen, je reviens, je vais vérifier s'il est pas dans la chambre. Enfin, s'ils sont pas planqués dans la chambre, j'arrive. Ok, les abonnés, je vais aller vérifier. Possiblement, ils sont déjà là, déjà dans mon appartement. Ok, c'est juste à droite. La porte de ma chambre qui s'est ouverte. Ok, je viens d'allumer la lumière. Alors potentiellement, Huggy Wuggy et Tolkien Ben sont juste derrière la porte. Il a l'air d'avoir rien du tout. Ok. Je crois que je me suis fait toucher la jambe. Je crois que je me suis fait toucher le pied littéralement. Ok, potentiellement, c'est juste en dessous de ce lit. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ok, il y a l'air d'avoir rien du tout. Ok, il n'y a rien en dessous de ce lit. Mais écoutez, on va retourner devant le PC. Ok, très étrange quand même cette porte. Je vais éteindre la lumière, voilà. On va refermer la porte. Ok. Bon, possiblement, ils étaient là, mais ils ont déjà disparu. Donc on retourne devant le setup. Ok, je suis de retour, ils étaient pas dans ma chambre. Ah, what, pourquoi il y a du feu là? Pourquoi il y a du feu? Oh là 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 là, attends, ils arrivent déjà?
Ouais, je crois qu'ils sont déjà là. Ok, ok, viens, il faut qu'on temporise, viens, viens, on va au niveau de la piscine. T'es parti où? Je suis passé par la fenêtre et je suis parti en direction de la piscine. Vas-y, je suis là. Ok, j'arrive. Attends, viens, viens, non, je suis là derrière toi, regarde, je suis planqué. Là, regarde, viens. Ah, c'est bon, viens. Ok, alors là vraiment il va falloir qu'on trouve une solution parce que là ça devient très très chaud ce qui est en train de se passer. J'ai très très peur de ce qui est en train de se faire. C'est quoi ce délire? Attends, j'entends du bruit au-dessus de moi. J'entends encore du bruit dans mon couloir, Reason. Attends, je vais vite fait checker. Ok, porte de placard qui s'ouvre. Ok les abonnés, je vais aller vérifier. Attends, je reviens vite fait, Reason, hein. Je vais vérifier. Vas-y. Ok, je vais vérifier en vif. Ok les abonnés, on va vérifier. La porte de placard est bel et bien ouverte. À tout moment, Talking Ben ou Huggy Wuggy est juste derrière cette porte. Ok, mince. Ok. Y'a rien du tout. Juste des rangements. Pas de Talking Ben ou Huggy Wuggy. Y'a rien du tout, les abonnés. Je pense qu'ils sont en train de jouer avec moi. Très clairement. Je vais vite fait vérifier quand même salle de bain et... Et la chambre, personne dans la salle de bain, personne dans la chambre. Je suis désolé, je bégaye un petit peu parce que je flippe un peu. Bon, let's go, on va retourner devant le PC. Hop, hop, let's go. On retourne devant le PC, les abonnés. Ok, toujours rien à signaler. À mon avis, ils sont en train de se planquer dans ma maison. Attends, viens. Ok, faut qu'on reste planqué. En vrai, ce qu'il faudrait qu'on fasse. Oh purée, c'est chaud, hein. Ce qu'il faudrait qu'on fasse en vrai, c'est limite qu'on se barre de la villa, mais tu vois, qu'on se montre à eux comme ça, tu sais, ils vont nous poursuivre. Ouais, comme ça, ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre, on les fait quitter la villa et comme ça, ils quittent mon appartement. Ouais, en vrai, ça pourrait être pas mal. Bonne idée, hein. Je pense que c'est la meilleure solution. J'entends encore du bruit dans mon couloir. Attends, j'espère que je suis pas parano. Je check juste vite fait l'entrée, y'a rien. Setup, y'a rien. De toute façon, je l'aurais vu. Mon couloir. Y'a Huggy Wuggy, faut qu'on se dépêche. Y'a Huggy Wuggy. Il y a clairement Huggy Wuggy juste devant chez moi. Ok, Reason, il faut absolument trouver rapidement. Ok, il y a Talking Ben juste ici. Talking Ben, regarde-moi. Ok, je sais pas ce qu'il a, Talking Ben. Talking Ben, et il y a Huggy Wuggy là-bas. Regardez, il y a là-haut. Il y a Huggy Wuggy. Alors, Talking Ben, par contre, il a l'air d'être. Mais c'est bon. Il nous a appelé. Ah, Talking Ben, il y a les deux. Vas-y, vite, il faut qu'on se barre. Allez, vite. Le plan, il a marché, c'est bon. Ok, le plan a marché parfaitement. C'est super cool, les abonnés. J'ai l'impression qu'ils sont inséparables les deux, ils restent tout le temps ensemble. Et ils sont inséparables, clairement, c'est un petit couple, un nouveau petit couple. Ouais, c'est un nouveau petit couple. Il faut qu'on les emmène très loin. Ok, j'entends plus de bruit dans mon appartement. J'entends plus vraiment de bruit dans mon appartement, c'est que ça a dû fonctionner. Je peux pas checker si ça a fonctionné ou pas. Ok, il faut qu'on les emmène loin. Ok, on va les emmener. Est-ce qu'on irait pas dans l'eau? Je sais pas, est-ce qu'ils vont nous suivre dans l'eau ou pas? Je pense pas en vrai. Je sais pas. Ah, oh, les abonnés, c'est horrible. Allez, let's go. Est-ce qu'ils sont toujours derrière moi? Oui, ils sont toujours là. Ah, ils sont derrière moi. Je pense qu'on a pas le choix, faudra qu'on saute dans l'eau là, clairement. Ouais, on va devoir sauter, regarde, au niveau du petit ponton, on saute dans l'eau et on rejoint le bateau et j'espère qu'ils vont pas laisser nous suivre. Let's go. Ok, j'ai pris. Parce que c'est un chien, Talking Ben c'est un chien, donc techniquement il a peur, il aime pas l'eau. Ah ouais, regarde. Ah ouais, ah si, bah si, les chiens justement, ils adorent l'eau. Mais ils restent sur le ponton les deux. Non, c'est les chiens, ouais. OK. Oh, je peux pas checker les caméras. Mais ouais, parce qu'on est trop loin de la villa. Ok, bon, les abonnés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici sur Minecraft et qu'on va se retrouver dans la vraie vie pour que je check s'ils sont là ou pas. J'ai très peur de me faire piéger par Talking Ben et Huggy Wuggy dans la vraie vie dans mon appartement. En tout cas, un grand merci à Reason, Erox ainsi que Zigoto de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo sur Minecraft. Et nous, on se retrouve directement dans la vraie vie. Voilà, pour checker s'ils sont dans mon appartement ou s'ils ont bel et bien disparu. A tout de suite, les abonnés. Bon, allez, go, on va aller vérifier la chambre. Y'a rien du tout, hein. Y'a rien du tout. Let's go, en dessous, rien non plus. La salle de bain, on sera bon, hein. La salle de bain. Hop. J'ai l'impression que là, encore une fois, il n'y a rien. Bon, je vous reprends si je trouve quelque chose, mais sinon, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite. I don't want it to end.